route des métiers, c'est une route, c'est un chemin qu'on va prendre dans différents endroits. Donc ce sont des rencontres aussi. Donc on part de nous d'ici à Rochefort. Enfin, moi je suis à Rochefort. Il y a Catherine qui est à Bordeaux, il y a Clément qui est à Aigleton et Moustapha qui est à Périgueux. Et en fait, ce voyage, c'est une rencontre avec des territoires. Et donc ces territoires, ils ont une richesse, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit économique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de faire une cartographie de tous ces territoires et de venir voir quels sont les métiers porteurs, mais quelles sont aussi les formations qui pourraient être mises en place pour faire évoluer les métiers. Et l'objectif, c'est que les gens qui participent à cette action, c'est-à-dire les stagiaires, puissent avoir une visibilité sur l'ensemble de ce territoire, de façon à pouvoir, pourquoi pas, un jour choisir de quitter l'endroit où ils sont pour aller vers quelque chose qui peut les intéresser ailleurs. Le voyage aide parce qu'à partir du moment où on voyage, c'est qu'on va vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est vouloir le rencontrer. Mais vouloir le rencontrer en sachant qu'on est sur son territoire. Et donc, quand on arrive dans une entreprise, finalement, on n'est pas très à l'aise parce qu'on a peur un peu de la façon dont on va être accueilli. Mais si on arrive dans cette entreprise sans avoir de demande particulière juste pour rencontrer les gens, on est souvent très bien accueilli. Quand on arrive dans un pays et qu'on veut rencontrer les gens, on va vers eux avec un grand sourire et on leur dit, bah, tu vois, moi, j'habite pas ici, mais j'aimerais bien savoir comment tu vis dans ton pays. Et bien ça, c'est un peu la même chose là. C'est, je rentre dans ton entreprise et j'aimerais savoir comment est-ce que tu vis dans ton entreprise, quels sont les métiers. Est-ce que vous cherchez des gens? Si vous cherchez des gens, qu'est-ce que vous cherchez comme type de personne? Et donc là, la rencontre est beaucoup plus simple